Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, amis, pour un petit pack opening pendant que je suis actuellement en train de faire ce putain de fut champion. Et je peux vous dire que c'est quand même assez compliqué. La communauté n'est pas si cool. Voilà, faut être franc, ça joue full vitesse. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de ça. Il y aura bientôt une vidéo récap sur fut champion dès que j'aurai fait les 40 matchs. Voilà, donc j'aurai une petite récap peut-être lundi ou mardi, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, c'est tout. Pack opening, il y a listé des packs à 15 000 crédits, 300 points FIFA. Et bon, on va les ouvrir. Donc c'est parti, on se rend dans la boutique. On va ouvrir ces 10 petits packs à 15 000 crédits, 300 points FIFA, en espérant taper du lourd premier pack. Il est go. Oh, Kingsley Coman. Et bon, on commence bien. Et ça, j'ai pas remarqué, mais il a les 4 étoiles de Gesticnik. Et bah, c'est un plaisir, hein, Kingsley Coman. Font quasiment tout genre de pack. J'ai très, très, très peu vendu. Parce que c'est cool d'avoir en premier des détenteurs. Et j'ai pas besoin de crédit, vu que je fais pas mal d'achats-revente. Donc, je me suis dit, autant garder les joueurs, quoi. Le seul joueur que j'ai vendu sans faire exprès, c'est Marcelo. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est plus une erreur de ma part. Allez, on discute. Et bah, on commence plutôt bien. Kingsley Coman au premier pack. Gardez bien tous les petits joueurs hors non rares, ça peut vous servir pour les défis création d'équipe. Deuxième pack, Coleman. Ça c'est facile à deviner, hein. La 80 de général. Mbanyang avec Dungu Safak. Alors je dis pas de conneries, alors je sais pas s'il est encore en relation avec le Barça, mais c'était un jour du Barça, donc il est peut-être prêté. Morel, Keysera. La belle carte aussi, hein, de Mbanyang. Bah disons, on a des bons petits joueurs français là. Des petites équipes, alors je repose souvent des grosses équipes. Mais c'est vrai qu'il va falloir, je pense, proposer des petites équipes intéressantes parce qu'il y en a avec des Menez, Coman et tout, etc. C'est extraordinaire. Troisième. Oh, l'étoile, Morata. Voilà, elle était très grosse, l'étoile. Morata, Isco, putain, mais je fais n'importe, je suis fatigué. Là, pour être franc avec vous, il est pas tard, mais j'ai passé toute ma journée sur, enfin, une bonne partie de ma journée sur Foot Champion, donc c'est la concentration, beaucoup de concentration. Mais Isco, ça fait plaisir, ça. Combien il coûte, le petit Isco, là? Ouh, la fourchette de prix, plutôt intéressante. Allez, les serveurs, merci. Combien coûte Isco? Ouais, il coûte pas si cher que ça, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. En plus, 4 étoiles de gestes techniques. On a du tas, du Mounier. Et ben pour le moment, c'est un bon pack opening, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, fin de journée, là, FIFA, je l'ai séché pour Foot Champion. Alors, c'est bien, Foot Champion, c'est vraiment bien. Mais 40 matchs en 2 jours, ils abusent un petit peu, hein. Ah, c'est Daniel Vaz, voilà, ancien joueur d'Evian, Tonon Gaillard. J'aime beaucoup, j'ai testé en draft ce joueur, j'aime beaucoup parce qu'il est très, très polyvalent. Ok, on conserve, bon, carte forme, contrat, machin, c'est parfait. J'aimerais bien savoir une petite carte noire aujourd'hui, je sais pas, ce serait cool. On est quasiment à la moitié. On ne sait pas qu'on sera à la moitié du pack opening. Ouais, l'étoile n'est pas très grosse, donc... Oh non, mais sérieux? Mais c'est deux fois de suite, deux fois de suite. Deux fois dans le même pack opening que Chap Coleman. N'aime pas les Mendy, ok. Bon, pour le moment, c'est un bon petit pack opening. Voilà, on va pas trop être gourmand, ce qu'il y a de le dire. C'est plutôt un bon petit pack opening. Dans l'optique, quand tu tapes des joueurs intéressants au début de fut, même des Kingsley Coman, hein, c'est pas un gros joueur en note, mais ça se vend super bien. Ah, c'est le défenseur ultra rapide, hein. Ouais. Ouais, il y a une belle petite carte, quand même. Bon, après, il joue en D2, mais ouais, une carte assez full pace, hein. Ça, c'est le genre de profil qu'on retrouve très fréquemment du côté de fut champion, hein. Les Moussa, les Doumbia, enfin, que les mecs comme ça, là. Ça y va. Ah, il nous reste 4 petits packs. On a Isco, meilleur joueur. Allez, là. Balancez-nous une petite carte noire. Witzel. Oui, c'est ça, 82 de général. Oh, on est bons petits joueurs. Allez, 3 petits packs. On reste sur Isco, Coman, etc. C'est très bien. La grosse étoile. Oh, Juan Mata. Je pensais à Herrera, mais je me suis dit non. Juan Mata, je suis vraiment déçu de sa carte. J'ai testé, j'ai vraiment pas aimé. 2-1, parce qu'il a pas 4 étoiles. Il a une carte de merde. Enfin, à part son 84 en passe, le reste, c'est bidon, quoi. Ils l'ont niqué. Bon. 85 en dribble, mais bon, 3 étoiles de technique. La logique d'IA, bah, 2 joueurs à 84, ça fait plaisir. Au final, c'est un bon point. Faut être franc, donc on est plutôt satisfait. Il nous reste 2 petits packs, les amis. J'aimerais bien voir une petite carte noire apparaître, là. Allez, avant le dernier pack de ce pack opening, 2 joueurs à 84. Ouais, on va là, Tolisso. Voilà, j'aime beaucoup Tolisso. J'ai d'ailleurs dans une équipe pour fut champion, mais je vous dis... Enfin, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo. Enfin bref, je vais pas spoiler au cas où, mais... Tolisso se vend un petit peu, il est très bon. Et oh, Bruno Henrique, tiens, il y a une belle carte, hein. J'ai vu jouer un peu en LDC cette année. Enfin, cette année.
du coup l'année passée, du coup, parce que bon, hein, on a attaqué une nouvelle saison. On discarde les amis, c'est parti pour le dernier pack de cette vidéo. On pose la manette, on va voir si on a du lourd ou pas. Non, c'est pas le cas. Art, Butland, ok. Bon bah Butland c'est pas mal, 82. Au final on a eu des bons petits joueurs comme Anne, Mata, Isco, etc. Oh, Randolph, il peut se vendre un petit peu. Alors, commencez à les garder pour la Saint-Patrick. Le mec, il est en train de prévoir Saint-Patrick. Parce que là, ils n'ont pas beaucoup. Mais dès qu'il y aura Saint-Patrick, il va augmenter Anne. Alors, lui, c'est pareil. C'est un profil qu'on voit énormément. Parce qu'il est pas full pace, mais il a une bonne vitesse. Hein. En plus, il y a quand même 83 de physique. Butland, ouais, ce fut un bon petit pack opening, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, notamment pour la vidéo, et surtout si vous voulez voir Fut Champion, parce qu'il y a du lourd, on va vous proposer en vidéo, ça c'est sûr et certain. Prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!